on est parti déjà. On est parti, c'est dans quelques jours le départ. Ça y est, nous on est focus. Maintenant, il reste une grosse étape, c'est ramener le bateau à Saint-Malo. Et puis après, profiter de ce magnifique village, je l'espère, pour partager aussi avec la population. Surtout que voilà, on sort un peu de la crise, donc il va falloir ouvrir ce bateau, il va falloir ouvrir cette fête à un maximum de personnes. Au-delà de donner cette vitrine à notre agriculture, c'est aussi nous aider à communiquer sur les bienfaits de la santé. Donc ça a été un vrai challenge pour nous. Merci en tout cas pour lui de nous avoir fait confiance et on va gagner. Nous sommes confiants parce qu'on va lui donner ce qu'il faut pour qu'il gagne. Tous les concurrents sont obligés de passer entre la bouée et l'esplanade du port et le bord maritime. Ce qui fait qu'on a la chance à Basse-Terre de voir ses concurrents arriver. En plus, il y a un prix, comme vous le savez, du meilleur score, du meilleur temps entre la bouée de Basse-Terre et l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Et surtout, Basse-Terre fait, au même titre que Pointe-à-Pitre, partie des deux villes qui recevront le village. Il y aura un village avec toutes les incidences économiques qu'il y a derrière, puisqu'il y aura des stands, l'animation et des concerts. Je sais que le comité de pilotage a fait un très bon travail. Nous sommes vraiment très satisfaits. Les partenaires comme le port, comme l'État, le département aussi, qui ont fait un travail considérable. Aujourd'hui, nous sommes prêts, effectivement, à accueillir cette 12e édition de la Route du Rhum ici à Pointe-à-Pitre au Memorial Act. Chose qui reste à faire maintenant, c'est le village à installer. Mais je sais que nous avons des hommes et des femmes prêts vraiment à le faire. Nous avons au moins deux rôles. Un rôle, c'est l'organisation des circulations nautiques, puisqu'il faut continuer aussi à travailler, à desservir la Guadeloupe en termes de marchandises, et d'assurer l'interface avec les systèmes de course. Mais on a également un rôle plus opérationnel en installant des pontons dans la Darse, par exemple, ou en mettant à disposition un certain nombre de mouillages près de la marina de Bas-du-Fort. Donc tout ça, c'est du travail sur nos installations, sur notre plan d'eau. On a essayé de limiter au maximum les contraintes, parce que les personnes doivent continuer à aller travailler, avoir leur activité quotidienne. On est dans un plein centre-ville, dans une métropole, je dirais quasiment. Et donc on pourra adapter plus finement en fonction de l'enthousiasme, la météo aussi, qui peut être un élément important dans le dispositif. Recevoir 130 plus skippers en Guadeloupe, c'est une aubaine pour nous. Et pourquoi pas profiter de cela pour relancer l'économie après les 2 ans de Covid, après Fiona. Mais autour de cette manifestation, que la culture, le sport, le social, tout soit mis en œuvre de manière à redonner confiance à la Guadeloupe et dire que la Guadeloupe, quand même, c'est une région où il y a des hommes et des femmes qui ont des capacités de faire des choses vraiment grandioses.